Fait que là, finalement, on s'alignait pour pas acheter de livres puis aller voir au Walmart. Mais là, en sortant, il y avait un, tu sais, toujours une table pleine de gogos, là, que pour les enfants, là, comme, tu sais, pour les sens tactiles, là, tu sais. Là, il y avait genre un bonhomme que tu pouvais tirer. Fait que Lucas, il prend le bonhomme, il tire le bras. Mais le bras pète. Mais là, il y a plein de poussière qui revolent. Là, j'étais mal. Les minettes brisées, je jouais. Hey, là, j'étais mal. Là, j'ai dit, va, viens, on va aller vous dire à la fille. S'il faut le payer, on va le payer. Puis, tu sais, ça va être tant pis pour ta surprise. Dans le fond, s'il faut payer pour un enfant que t'as brisé, ben. Mais la fille, elle était bien smart. Elle a dit, non, non, merci de nous l'avoir dit. Elle dit, il n'y a pas de frais. Elle dit, on comprend. Fait que là, j'étais soulagée. Fait que là, c'est ça, je voulais pas repartir les mains vides, tu sais, je me sentais mal qu'il brisait quoi. Fait que finalement, on va acheter le livre ici. Fait que là, j'ai acheté le journal, je l'ai acheté là, finalement, le journal de Noob. J'ai essayé de vous le montrer. Il avait lu le 1 à l'école, il l'avait aimé, fait que là, il a pris le 2. Fait que c'est ça. Puis là, ben c'est ça, hier, c'est ça, je sais plus trop, je vous l'avais dit, comme par exemple, ce que Katia, la vue de l'école, elle s'assied sur la table. Elle s'assied à la banquette, pas sur la table, elle s'assied à la banquette ou la table. Là, elle se descend, tu sais, elle se descend tout de moins, comme je vous disais, mais là, elle se descend, mais elle avait des bas qui étaient pas antidérapants, fait que là, ça glissait plus qu'elle pensait. Fait que là, elle a glissé parce qu'elle pouvait pas se retenir, fait que la tête a cogné sur la table, mais la tête en cognant, ça a donné un coup sur sa lèvre, là-dedans. Fait que là, elle saignait fou, elle saignait. Alors, mon chum, on a eu peur, là, parce que moi, je l'ai vu tomber, en plus, j'étais sûre qu'elle était plus, il y avait de quoi de plus que ça, qu'elle s'était blessée plus que ça. Mais sur le coup, voir le sac, c'est, ben, tu sais, c'est ça, c'est. Finalement, le bobo ça lève, là, pauvre petite. Mais on a eu peur. Ça, c'est juste avant d'ouvrir la boîte Starlight, justement. Puis la boîte Starlight, ben ça, c'est cool. C'est toujours le fun, tu sais. Comme Lucas, il y a plein de choses pour lui. Fait que c'est ça. C'est sûr qu'il y a des jouets, ça l'intéresse moins. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre de côté, pour on va donner au suivant. On va donner à des petits garçons, des petites filles qu'on connaît. Parce que les jouets de petites filles, dans le fond, c'est plus pour plus vieux. Katia, ça l'intéressera pas. Fait que je vais garder ça, je vais mettre ça de côté. Puis quand j'aurai une petite fille, je vais connaître une petite fille. Que je sais ça va l'intéresser, ben je vais faire des petits cadeaux. Fait que c'est ça. Fait que c'est le fun. Ben ça, puis dire aussi sa boîte que vous autres, on fait une boîte familiale, mais s'il y a des affaires qui intéressaient moins, ben donnez, redonnez au suivant. Puis c'est ça qu'on va faire. Fait que c'est ça, ils sont vraiment fins. Ben, tu sais, c'est le fun de recevoir une boîte surprise que tu sais pas trop ce qu'il y a dedans. C'est vraiment cool. T'sais, ça nous fait sourire, pis on a hâte, ça nous, c'est excitant. À part ça, hier, ben, j'ai continué mon casse-tête. C'est vraiment bien. Faudrait que je vous montre. Je l'ai mis là parce que c'est la table qu'elle avait défaite, là. Je l'ai mis sur la bibliothèque, je vais vous montrer. Après ça, hier, ce qu'on avait fait, bon. Ben, là, on est allé marcher avec Nick, ben, on est allé chercher mes bottes, c'est vrai? Ça, je sais plus, je vous l'ai dit aussi. Hier matin, on est parti, on est allé chercher mes bottes chaudes pour le skidoo. Après, je vous les montre. Fait que ça, c'est fait, j'ai des bonnes bottes chaudes. Puis, tu sais, ils font pas trop skidoo, ça qui est le fun. Je vais vous les montrer. Puis après ça, on a dîné, puis on est allé marcher avec Nick. On a fait une grande marche sur la passerelle, mais on a fait en plus tout le tour, en tout cas. Fait que ça, on était contents. Puis après ça, ben, on est revenu ici. Puis ça n'a pas été long qu'on est reparti au magasin. Parce que je vais trouver une tuque chaude à Nick pour mettre à son bout de Noël. Parce que quand on marche, il dit souvent qu'il y a Fred, puis ça serait le fun d'avoir une tuque. Fait là, je l'ai retenue. J'ai dit que je vais en mettre une dans son bout. Fait que c'est ça, j'ai choisi une belle tuque au Rhinos. Vraiment chaude, vrai, je vous la montre. Puis Nick, après, il est allé s'inscrire au gym. Fait qu'il va recommencer à aller au gym. Puis après ça, c'est quoi donc? Après, on a fait, on est allé, ben c'est ça, après ça, c'est le retour d'école. Puis on a ouvert la boîte Starlight, on a soupé, puis après soupé, ben c'est ça. Oh, pas, oh, c'est ça, je voulais vous dire. Oh, désolé, je pars d'un sujet à l'autre. On est allé au Renaud-Pé, on est allé au Bol-Bol. On était chercher les bonbons de Noël, puis on est allé au Dolo tout finaliser avec les bonbons de Noël. Mais hier, j'ai revenu, là, découragée. Hey, rien qu'en bonbons, là. Rien que pour les bonbons de Noël, là, ça m'a coûté 45$. J'en revenais pas. Je trouve tellement que la vie coûte cher, là. Fait que mon casse-tête, regardez s'il est beau. C'est vraiment le fun à faire pour vrai, là. Fait que je suis rendue là dans mon casse-tête. Je suis vraiment contente. Ça, c'est sa canique. Je vais vous montrer sa tique. Elle doit être pas loin. Regardez. C'est la tique qu'on a choisie. Puis en dedans, regardez comment c'est doublé, puis c'est vraiment chaud. Son manteau est noir, fait que là, je voulais prendre noir, ça fait avec le manteau. Fait que, on lui a trouvé ça au Wieners. C'est quand même pas donné, c'est quand même 17 pièces. Fait que, on met ça. Puis là, ça, je vous montre mes bottes. Tandis que j'y pense, c'est la marque Acton. Puis, c'est ça. Ils se mettent vraiment bien, facilement, ça enlève. Parce que ça enlève mieux que mes autres blanches que j'arrête pas de mettre, là. Fait que, c'est ça, mes bottes. Ça va jusqu'à moins 45 degrés. Fait que. C'est ça.
Je suis vraiment contente. Mes nouvelles bottes chaudes pour faire du skidoo. Je vais mettre Katia qui chill sur le divan. T'as écouté son bébé Einstein. Je sais pas si allez voir sa. Je sais pas si allez voir sa blessure sur sa bouche. Regardez ça pour tout ça. Bon, je vous montre ce que Katia elle va voir avant l'heure. Ça me tentait, vu que je l'ai fait plus. Je le fais plus tard aujourd'hui. Fait que là, c'est sûr qu'elle a du fromage. Mais tu sais, le fromage, j'y rends moins bien à ce temps-là. Ça, c'est poche. Ça, c'est de la crème fouettée. La compote de pommes. Des patates qu'on a faites cette semaine, il en restait. Des patates avec de la crème sure. Là, je vous comptais avec le bacon, oignon, full crème, beurre, fromage. Fait que ça, ça rentrait, là, c'est correct. Ça, ben, du crabe-dineur avec des épinards, petites saucisses. Guimauve, elle aime bien ça, d'habitude, des pinottes, puis caramel, je sais pas si ça va rentrer aujourd'hui, mais en tout cas, ça va être son lunch pour aujourd'hui, pour vous donner une idée de qu'est-ce que j'en vois en lunch. Ça part bientôt. Il va rester mettre ses bottes, l'habiller pour aller dehors. Là, c'est ça, j'ai oublié de vous dire, Lucas, ce matin, son activité, c'était choisir le repas du souper et le dessert. Fait que là, c'est ça, il a choisi poutine Ashton. Il aime tellement ça, la poutine. Puis, pour dessert, il veut un gâteau pécan. Fait que, on va faire ça tantôt. Ah, je n'en reviens pas quand ça déjà 16, pour vrai, là. Je n'en reviens vraiment pas. Ça va vite. Bon, quand tu as mis tout ça dans l'entrée, ma tête, on va profiter. Un cactou! On va habiller le cactou pour écouter de la musique. Katia, es-tu prête à aller à l'école? Il est tannant, il va aller au taxi, là. Ouais, il va arriver bientôt. Vous savez pas que ça te le dit, hein? Ouais. Ouais. Ouais, pour que tu te un peu dans le front. Ouais. Il s'en vient! Il s'en! Quelle belle fille! Oui, oui, t'es bonne! Il s'en! Hey! Yay! Bon, fait que Katia est partie pour l'école, la petite cocotte. Hier, j'ai trouvé des coussins, il faut que je vous montre. J'ai mis des beaux coussins de Noël sur mon divan, je vais vous montrer. Mais là, j'ai retrouvé ces napperons-là. J'avais oublié que j'avais ces napperons-là. Comme des napperons à poissetière. Puis j'ai retrouvé ces coussins-là, que là, j'ai mis sur mon divan. J'ai retrouvé lui aussi. Fait que c'est ça, j'ai placé ça hier. Puis c'est ça, je vous montre l'étoile. Je trouve ça beau, l'étoile dorée. Je trouve ça fait de plus. Là, Lucas est chanceux. Je sais plus, je vous l'avais dit. Mais ça vous met à soir, elle l'amène au cinéma à réserver les billets. Fait qu'à soir, ils vont voir Avatar, elle, Nick, Sab, John, Lucas, Nick, Pam. Max, ben là, il va pas parce qu'il est fatigué. Lui, il revenait de San Francisco. Puis là, il est vraiment fatigué. Puis je pense qu'il a pas voulu un. Fait que lui, il va pas. Mais à ça, ils vont au cinéma. Fait que Lucas est bien chanceux, je trouve, fait de faire des belles activités de même avec ses soeurs pis son frère. Puis là, ben c'est ça, je vais aller partir le gâteau tout de suite. Puis je vais me laver les cheveux. Je vais faire ça. Mais avant, je vais vous montrer. Ben là, mon chum, ben, il va me donner ma teinture aussi en fin de semaine. Finalement, on a décidé d'acheter l'acheter pour sa volonté, mais il m'en a pas donné. Puis avant les fêtes, ben, ça fait quoi? Ça laisse plus d'argent pour d'autres choses. Puis, c'est ça que je voulais vous dire. Là, je parle de fil. Ah, je vais vous montrer les bonbons. C'est vrai, je vais vous montrer les bonbons de Noël que j'ai achetés. Fait que les beaux aussi, ça vient bien rempli. Le seul à mon chum. Je suis vraiment contente. Il y aurait peut-être une carte cadeau de la sac que j'aimerais rajouter, mais sinon, lui, va être pas mal complet. Ça, les bas pour les enfants, c'est des bonbons ou des gâteries qu'ils aiment. Des choses comme plus à manger que je mets dans leur bas. Fait que ça, c'est la Pam, à Nick, à Sarah, à Lika. Mais là, Katia, j'y en ai pas mis tout de suite parce que ce qu'elle a mangé, c'est du fromage. Mais de ça, là, elle mange pas. Fait que là, je sais pas trop, je vais attendre dans une minute voir ce que j'y mets qu'elle risque d'aimer. Fait que c'est ça. Lika, il y en a deux, lui. Parce que Lika, je le connais plus, je sais plus ses goûts. Fait que il y a deux bouts de cochonnerie. Fait que c'est ça. Puis moi, ben, il est encore vide. Mais d'habitude, il remplit ça. Le 24, il remplit d'habitude.
Bon, avant de passer le gâteau, je vous montre mon panier de bonbons de Noël. Ça, j'ai tellement hâte d'avoir mes petits plats. C'est ce que j'aime dans les fêtes. Bon, au bas de bande, j'ai acheté cette réglisse-là. Mais pour vrai, on y a goûté. Finalement, je suis déçue. Je trouve que c'est pas terrible, en tout cas. On a acheté des boules rouges. C'est vraiment bon, là. On a acheté ces bonbons-là. C'est la première fois que j'ai goûté. J'ai goûté sur le magasin. Par exemple, ça, j'étais sûre que c'était bon. Je voulais pas du tout être persuadée. On a acheté ces bonbons-là de Noël. J'ai acheté ces bananes-là. C'est vrai, parce que moi, d'habitude, j'aime ces bananes séchées. Mais d'habitude, je les prends au pain nature. Puis là, j'ai été déçue. Je trouve qu'ils sont durs, ils sont trop durs. En tout cas, j'ai été déçue, mais là, je vais essayer. Ensuite, j'ai acheté aux bonbons ces bonbons-là, étoiles. Les étoiles vertes et rouges. Ils sont vraiment bonnes. Ensuite, j'ai acheté ça. Des bonhommes de neige, des sapins rouges et des sapins verts. Ça, j'ai pris ça au bord de pomme. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Ensuite, au de l'eau, là, j'ai acheté cette gomme-là. Puis, avec elle, que je vais faire un peu de gomme, mais je vais mélanger au travers ces gommes-là, dans le fond. Je sais pas si vous voyez, là. En rouge et vert. Au travers des blancs. Fait que ça, j'ai acheté une frille. Ça, c'est de l'eau. Pour de l'eau aussi, j'ai pris ça. Une seule du qu'ils aiment, c'est les meilleurs. J'ai acheté les cannes. Je sais pas si c'est bon. Par exemple, ça, c'est au de l'eau. Je sais vraiment pas si c'est bon. Les cannes de Noël. En jujube. J'ai acheté ça aussi parce que moi, les enfants aiment ça puis je trouve que ça faisait une couleur de Noël. Lucas, il voulait ça. Il dit que c'est bon. Puis, ben, j'ai acheté le melon d'eau parce que moi, les enfants les adorent. Puis, ben, c'est des couleurs de Noël. J'ai acheté la réglisse aussi, moi j'aime vraiment ça. Puis je vais la couper, par exemple, je vais couper comme mettre dans un plat, ça va être moins gros. Fait que j'ai pensé acheter ça aussi. Ensuite, j'ai acheté les chocolats, des raisins secs enrobés, puis amandes. Ça, ça on aime bien ça, j'en fais des plats de ça aussi, ça c'était au de l'eau, j'ai acheté aussi ces chips-là. Parce que moi, Katia les adore, puis Lucas. Fait que je voulais que Katia ait des chips qu'elle aime. Je pense justement que je vais en mettre un sac Ziploc dans son bas, Noël. Je vais faire ça, pas lui donner le gros sac, là. Puis, ben là, tu sais, j'avais aussi, il y avait les chips qui étaient pas chers. Il y avait assaisonné, on a pris comme charlanette, sel vinaigre, puis barbecue à l'ancienne. Je pense que c'est 1,97 le sac de chips, je pense. Fait que, dans le fond, nos coffrets de Noël sont achetés. On ne jettera plus d'autres. Il va rester acheté comme les... Ben, j'ai déjà acheté le carreau fraise, parce que moi, j'essaie des couleurs. Mais sinon, c'est ça. Pour là, ça va être ça. Fait que, je suis en train de faire le gâteau Pacane pour Lulu d'amour. Avec le crémage. On va faire ça. Après, je me lave les cheveux. Après, je vais repartir dans le brosseur de lavage. Puis, Mick, il va falloir que j'aille chercher le cadeau à mon chum tout dans le char. Parce que Nick, il avait été faire la commission et on l'avait pas rentré. Parce que mon chum était ici. Il a eu connaissance. Fait que là, je vais essayer de l'envelopper. Ça va être dur à envelopper. Par exemple, je sais même pas comment je vais en faire. Fière du résultat du gâteau de Noël à Lucas qu'il a choisi pour son souper. Gâteau Pacane que j'ai décoré avec des bonbons de Noël que j'avais acheté hier finalement. Trop cool. Puis j'ai goûté au canne. Puis c'est bon, vraiment. Je pense que je vais aller en racheter. Beau, hein? Bon, il est rendu midi et quart. Mon chum est venu dîner, il est reparti. On a mangé des restes, ça s'est bien fait. Il restait de la lasagne et du pain de viande. Hier, on a mangé du pain de viande pour souper. Puis il en restait. Puis là, ben, Nick en a profité pour rentrer le cadeau. Je me demande c'est quoi. Mais là, je me demande vraiment comment je vais faire pour l'envelopper. Puis je me demande si ce serait pas plus simple que j'imprime une photo, je sais pas quoi. Mais j'imprime la photo, elle sera pas en couleur. Hey, là, je sais pas trop quoi faire. Parce que là, je sais même pas comment je vais enlever ça. Puis même si je l'enlève, je mets en dessous de l'arbre tout de suite. Il va s'en douter c'est quoi. Ouais, je pense que le plus simple, ça serait vraiment de cacher ça. Mais là, je sais pas, je vais le cacher. Puis sortir une photo. Puis envelopper la photo.
Je vais vous montrer. Fait que c'est ça, c'est un coffre à outils roulant que ça, tu peux monter. Ils se vendent d'autres étages. Comme Pamela donne l'étage par-dessus. Puis ça, tu pars avec la session que tu as besoin lorsque tu rentres à... Tu vas faire une job ou je sais pas quoi, là. Fait que c'est ça que j'ai amené, là. Ça, la poignée à ses tirs ici, là, tu sais. Là, je suis pas capable d'une main, là, mais... Puis elle est sur vous. Je peux partir avec tout son... Avec tous ses coffres aussi, là. Fait que c'est ça. C'est ça que j'ai acheté. Mais c'est ça, c'est pas facile à envelopper, là. Fait que là, c'est ça, si on roule, ben, il y a comme des sections, là. Voyons. Ah, moi, j'enveloppe ça. Ah, ça, je vais en faire. Regarde, voyez. Vous voyez, justement, c'est toutes les sections. Comme là, moi, j'ai acheté elle, Pamela, elle. Puis là, il y aurait tout ça qui pourrait se rajouter, là. Bon, fait que là, j'ai trouvé une place. Je l'ai cachée ici. En arrière du lac à tiens, je vais le rabriquer avec une couverte en espérant qu'il ne voyait rien. Puis, en même temps, ben, ça sera pas loin d'aller chercher quand il va ouvrir la boîte. Je vais dire, tiens, c'est là, tu sais. Fait que c'est ça qu'on va faire. Ah là là. Vous voyez avec la doudou, rien ne paraît. Ça va passer incognito. On va racheter ça dans le bolicard. Magie le bas. Ça va des poches. Ça me fait rire. Aïe. Tiens. Pam. Et Sam. Fait que là, regarde, j'ai enveloppé le cadeau, je suis fière, j'ai fait un bel emballage. J'ai fait une belle boîte cadeau. Fait que je suis vraiment contente. Mais c'est sûr, quand on brosse, on entend le bruit du liquide. En tout cas. Fait que c'est ça. Là, j'ai enveloppé un cadeau à Katia aussi. Là, il est maintenant 2h30, je m'en vais marcher avec Nick. J'ai fait zéro ménage finalement. J'ai même pas fait de dépoussage, ni de lavage de plancher, ni de casse-tête. Je pensais avoir du temps. Les journées passent vite, c'est fou. Mais l'important, c'est d'aller marcher, faire l'exercice. Fait que là, j'y vais de ce pas. Bon, on est venu notre marche. J'ai eu le temps de faire ma salade de ma. Oui, les quais venus. J'ai eu le temps de faire ma salade de macaroni. Mon jambon fumé, Katia va manger ça pour souper. Puis, sûrement, mon chum, qu'elle mangera pas de poutine. Moi, j'en mange, j'aime ça, la poutine de Ashton. Puis, parce que mon chum est toujours au régime. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mon chum est toujours au régime, puis il a perdu beaucoup. Il est vraiment bon, ça. Je vous l'avais parlé, mais je n'étais pas revenue. Il a perdu déjà au-dessus de 30 livres. Fait que. 30 livres! Plus que 30 livres. Moi, il est rendu à 35 livres. J'ai quasiment genre 40% de mon poids à moi à 30 livres. Ouais. Fait que il est vraiment bon. C'est pour ça que lui, c'est sûr qu'il ne mangera pas de poutine parce que c'est trop calorique, mais il va manger sûrement ça avec Katia. C'est très rare qu'il triche. Puis quand il triche, c'est pas des grosses affaires. Ouais. Puis là, Lucas, ben là, il est revenu. Puis Katia, elle va revenir dans pas long aussi. Mais là, j'ai hâte qu'il voit. Moi, je vais au cinéma avec ça, avec oui. Attends! Là, j'ai hâte qu'il voit son gâteau. Fait que viens, Lucas, viens voir ton gâteau. Maman a fait un camo pour toi. Ok. Et il joue avec son drone qu'il a eu hier de Starlight. Il aime bien, hein, ton drone. Oh, il est beau! C'est bon, comme un petit thème de Noël. Ben oui, j'ai pris des bonbons finalement, j'avais le goût de décorer. Ils sont bonnes les cannes, j'ai goûté. Ils sont bonnes. Il est beau, hein, quand même! Bon, pour là, il est vraiment beau. Faut qu'il le prenne, hein. Non, tasse-toi. Non. Puis là, tu sors ton chocolat du vendredi en plus. Puis là, Lucas, il est content parce qu'il n'y a pas de récitation, il n'y a pas de leçon. J'ai pas eu de récitation, pas de leçon, pas de devoir. Mais il faut qu'il prépare son exposé oral, mais c'est déjà fait. Puis j'ai de la lecture, mais ça, je l'ai fait déjà. Ouais. C'est vrai, j'aurais aimé montrer ton livre que tu t'es choisi hier. Ok, c'est que je vais chercher. Ouais, va chercher, je vais sortir ton chocolat. J'ai déjà pris une aujourd'hui. Fait que Lucas a choisi ça, les chocolats. Ah, parce que je vous explique. Dans le fond, il y a elle est vraiment bonne, mais quand on en prend trop, tu sais, des grosses barres de main, le goût à menthe de l'étanant. Ça, aujourd'hui, je l'ai eu un à l'école. C'est pas vraiment la même sûre, mais genre, tu sais, c'est juste qu'il y avait des trucs de canne à sucre à l'intérieur. Ouais. Puis pour faire un changement, ben, tu sais, je vais prendre le caramel. Puis je vais aussi vous montrer mon. Ouais, va le chercher. Ça, c'est le livre que hier, maman m'a acheté. Ben, dans le fond, c'est le 2, là. Comme vous pouvez le voir, c'est le 2.
Mais dans le fond, tu sais, c'est vraiment le fun. Il y en a à avoir, tu sais, il y en a à avoir beaucoup de pages de même, puis beaucoup de textes. Puis, en tant que vos enfants aiment Minecraft, ils pourraient peut-être aimer ce livre-là. Comme ça, je dis, c'est une aventure Minecraft. Puis, tu sais, ça a l'air. C'est quand même dur à lire, mais il y a plein d'images. Les textes sont en gros. Puis, ça va pas être facile à lire si vous avez des enfants. Ça pourrait être des beaux cadeaux de Noël. Puis là aussi, c'est ça, il est vraiment le fun. Si vous voulez lire en arrière. Ben c'est que là c'est le 2 là, mais le 1 vous pouvez regarder. Parce que dans le fond le titre c'est le journal d'un noob. Ça vous pouvez lire ça. Vous pouvez mettre ça. Katia est revenue aussi. Écoute Bébé Einstein. Là je vais aller voir. On va aller voir si elle a bien dîné. Tu vois je vais hein? Atterrir là avant, il fallait que tu me dises qu'elle était là. Ben oui, t'es sur le divan. Là, Lucas, ben lui, il s'amuse beaucoup avec ça, là, ce drôme-là. Là, il va aller dehors, je pense, un peu. Non, je n'ai pas cette batterie. Ah, ok, c'est vrai, t'avais dit ça. Ben. Tu l'as rechargé? Non, 30 minutes. Ah. T'aurais dû le charger tout de suite avant que t'asseoir. Il n'y a pas de lumière après ça, hein, non? Ok. Puis regardez ça, j'ai mis des lumières après mon étoile. J'ai acheté cette étoile-là de l'eau. Puis j'ai racheté des lumières, une petite lumière à pile. Là, je trouve ça beau, c'est à la lune. Tu veux, Lucas? Quoi? Regarde, on est toi dans le sapin quand tu calalumes. Ouais. Regarde. Elle allumait pas toujours? Non. C'est quoi l'aileron qui marche bon. Plus? C'est le... La midi, elle a mangé. Oui, c'est quoi, ça. L'aileron qui marche plus, c'est le bec à l'huile. Comme faut-elle le manger, les patates, puis là, elle les a mangées. Son fromage, il en reste un peu, pas beaucoup. C'est guimauve. Le macratineur, ça n'a pas rentré. C'est Pinot. Ah, mais elle a quand même bien dîné. Ah, je suis contente. Ça, c'est quoi qu'il y avait là-dedans, donc? Pinot, guimauve. C'est quoi qu'il y avait dans l'autre sac, là? J'ai un blanc. C'est quoi qu'il y avait là-dedans? Faudrait que je regarde, je me rappelle plus. Qu'est-ce qu'il y avait, donc? C'est ça, je suis retournée voir, puis je vous avais montré un matin ce qu'il y avait, puis c'était ses caramels. Le reste de sa barre caramel qu'elle a mangé. Mais ça, c'est pas grave. Dans le fond, elle a quand même bien mangé. Elle avait quand même du truc. Bon, Katia, elle a bien dîné à l'école. Pour vrai, elle a mangé. Ben ça, je vous l'ai montré. Je pense que je vous l'ai montré. Mais là, le souper, elle a pas voulu manger. Elle a pris son pédiatre, mais pas de fromage. Elle a pas voulu de fromage, ni ma salade de pâte que d'habitude, elle aime. Là. Elle n'a pas voulu. Puis là, ben, je viens de la charger de couche. Puis il est 5h moins 10. J'attends pas trop à mon chum. On va chercher la poutine. Mais là. On va faire du corset en attendant qu'il arrive. Puis Katia et Lucas sont là sur le divan. Oui, ben, on va essayer de faire du casse-tête. Non, papa. Hein? Non, papa. Hein? Non.